Salut à tous et à toutes les amis, c'est Twins Food. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Et on va se déguster quelque chose qu'on adore particulièrement, à savoir des tenders de chez... Ah non, pas des tenders non, de KFC. Non. Des faux tenders de chez Auchan les amis. Regardez. Faux tenders de chez Auchan. Donc ça ressemble totalement à des tenders de KFC. Voilà, donc on a pris un saut chacun. Vu de l'intérieur c'est à peu près comme ça. L'extérieur c'est comme ça, c'est des maîtres coques ça s'appelle. Regardez les amis, c'est exactement pareil qu'un tenders. Enfin pour moi c'est pareil. Enfin c'est un peu plus jaune en fait. Tenders KFC c'est plus marron. Sinon c'est la même chose hein. C'est de la panure, du poulet, c'est la même forme. Donc les amis, il y a 9 tenders dans ce seau. Et on va vous dire sans plus attendre si ça vaut le coup ou si c'est peut-être meilleur que KFC, qui sait. On sait jamais, ça se trouve ça peut être meilleur. C'est parti les amis, premier tenders. Santé. C'est parti pour des faux tenders. C'est plutôt bon. Premier croc plutôt bon les amis. Excellent même, ouais, le premier croc. Ouais, on a tout prévu les amis, regardez. Petite verrine avec de la mayonnaise. On est équipé. C'est bien tendre. Ouais, très bon. Vous avez très bon pour l'instant. Mais c'est différent, c'est peut-être qu'on sent un peu moins la panure croustillante en fait. Je pense qu'en fait c'est parce que nous on l'a fait cuire au four. Parce que ça se cuit au four ça. Mais je pense que KFC tout ça c'est la friture, ouais. C'est ce qui fait ce côté croustillant. Là c'est pas croustillant comme un tenders normal. Mais c'est très bon. C'est très très bon. C'est encore plus tendre en fait. Deuxième tenders, franchement c'est pareil. Regardez les amis, donc on met un petit peu de mayonnaise comme ça là, sur le tenders et là on croque. Mais vraiment si, hein. Vraiment. Ah c'est vraiment bon. Puis en plus la box, c'est quand même une box de KFC. C'est une boîte pareil, rond et tout. Regardez, franchement c'est original. Hein. Ouais, c'est beau et tout. C'est stylé, ouais. Bon, là ça se trouve à Auchan, les amis, si vous voulez savoir. Par hasard, on est tombé sur ce. Donc, on a eu directement, je vous dis pas, des étoiles dans les yeux. Les amis, en accompagnement, comme on ne sait pas un menu, comme c'est pas un fast food, on a pris des petits chips chez Poulet Braisé, si vous connaissez pas. C'est un petit coup de cœur. Et parce qu'on sait qu'on n'aura pas assez juste de ça, quoi, des tenders. Ah, bien sûr, du troisième tenders, donc il y en a 9. Hein, je vous rappelle, les amis. Une boîte de KFC, il y a combien de tenders? Il y en a 11. Ouais, il y en a 11. Donc là, 9, voilà, on est proche, hein. Est-ce que ça te rappelle KFC? Un peu. Le poulet de ces tenders là, il est vraiment bon. Il a un bon goût, il est vraiment tendre et tout. Plus tendre que ceux de KFC même. À ce qui paraît, j'étais mieux élevé à l'école aussi. Hein. Ils ont eu des bonnes notes. Exactement, mon cher Dylan, et c'est ainsi que tu seras un bon tenders. Juste ce qui manque, ouais, c'est ce côté croustillant de la friture. Sinon, il serait parfait. En fait, pour vous dire, un résumé, c'est des tenders un peu goût nuggets. Très rapide en plus, hein, la cuisson. 10 minutes seulement au four. En 10 minutes, c'est prêt, c'est ready, prêt à être dégusté. Ouais. Par chance, les amis, on a un four dans la voiture, donc ça tombe bien. Oh, attention, c'est chaud, c'est chaud. Qui a commandé une pizza? Qui? On vient de faire cuire là. On est un food truck en fait. On va créer le food truck Twins Food. On va proposer des choses très originales. Ah vraiment, c'est tenders vraiment très 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 bon. C'est vendu sans sauce. Mais sans sauce, c'est bon, mais voilà. Comme vous savez, vous avez déjà sûrement tous été manger des tenders à KFC un jour, je pense. Avec une sauce en accompagnement, c'est excellent quoi. Avec la mayo, franchement, c'est le top. Mayo, hein. Meilleur, même à KFC, quand on y va, c'est avec la mayonnaise. Ah oui. Les amis, le pot de mayo prend un coup. Hein. Je vous le cache pas. Les verrines sont petites, mais ils sont bien garnis. Mais bon, on est obligé. C'est un régal avec la mayo. Regardez la tendresse et la qualité de ces tenders, quoi. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme on a vu sur la dernière vidéo des sauces Big Mac, on a fait plus de 800 vues je crois. On a 700 abonnés donc encore moins de vues que la vidéo quoi. Et il y a des vidéos, on a fait plus de vues aussi. Donc ça serait bien, c'est qu'on a le même nombre d'abonnés que certaines vidéos. Comme la vidéo Père Noël, 6000 vues, 6000 abonnés, là on demande pas plus hein. Ça serait magnifique. En tout cas là encore 4-5 et les 700, ça fait déjà plaisir. Ouais, merci à tous encore une fois. Faut savoir que ça fait à peu près un an que la chaîne a été créée. Notre objectif était 2000, mais avec le confinement ça a rendu les choses un peu compliquées. Ça c'est compliqué ouais, ça nous a ralenti dans notre course. Mais ouais, on va continuer notre cours. Gars, on va continuer. On sera toujours là, les amis. Exactement. On cherche pour vous, en fait, dans les recoins, les fins fonds d'Auchan, Carrefour, etc. Les répliques des fast food en version pas chère, en fait. Comme ceci. Le prix, c'est la moitié d'un vrai saut de tenders. Et c'est une pépite. On essaie de vous trouver les bons plans, en fait. Et mais quand on mange 9, il y en a assez. Avec un peu de chips, là. En accompagnement, parfait. Non, franchement, 9, il y en a assez avec des chips, c'est très très bien. On pensait que ce serait juste pour des ogres comme nous, mais même pas. Ouais, non, c'est très bien. C'est quand même des bons tenders assez costauds. En vrai. Les amis, on attaque le dernier, malheureusement. Des tenders. The last one tenders. Avec la petite sauce barbecue de KFC là, ça aurait été pas mauvais aussi. Oui. Ah, vraiment, c'est la régalade. Terminé pour moi aussi. Voilà, je vous rends pas les amis. C'est comme à KFC. Bon les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ces faux tenders de KFC? Ben délicieux. Voilà, délicieux sans aucun mot, sans aucun doute. C'est très bon. Voilà, juste la panure comme on vous a dit qui est différente. Peut-être parce que ça a été cuit au four. Donc moi je mettrais un. Franchement, je mettrais un 9,5 parce que c'était un régal. Ben c'est merde.
Donc ouais, franchement, pour ma part, ça sera aussi un 9 pour moi. Pour ce qui est du prix, les amis, le faux saut Tenders KFC, il coûte 4,50€. Donc on a pris un chacun, donc ça a fait 9€ pour nous deux. Et il faut savoir que KFC, maintenant, il n'y a plus la promo en ce moment du mardi soir. Donc c'était 7€ avant le saut Tenders, et maintenant c'est 15€, on les a contactés. Ouais, c'est très cher. Très cher. Vous vous rendez compte, 3 fois moins cher. Franchement, ça vaut le coup, et on vous dit, c'est très très bon. Donc franchement, n'hésitez pas à les tester. Ouais, franchement, c'est pas la même chose à l'identique, mais ça reste très très bon. Et donc sur ce, les amis, on espère que cette découverte et ce petit bon plan vous aura plu. Nous, pour ce moment, on va se finir notre petit paquet de chips qui reste. N'oubliez surtout pas, avant de partir, de vous abonner et de lâcher un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et sur ce, les amis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Twins Food. Ciao, 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 les amis.